Aujourd'hui, nous avons interpellé le CHU de Toulouse concernant le parcours de soins et puis aussi la qualité de la prise en charge des usagers. Et aussi essayer d'avoir des nouvelles concernant l'hôpital de la Grave, qui doit être un hôpital de santé publique, et avoir où en sont le projet, où est-ce qu'il en est. Par rapport au parcours de soins, voilà, c'est pour les personnes séropositives, la prise en charge doit être globale et multidisciplinaire. Et on est inquiet avec les politiques de santé actuelles, qui sont une politique d'austérité, qui prévoit par exemple des suppressions de postes au sein de l'hôpital public, donc qui va mettre le personnel soignant dans des conditions de travail assez difficiles et qui risque de nuire à la qualité de la prise en charge aussi.